Condamnée à espérer trouver un logement décent. Plus elles grossissent et plus nos villes rejettent leurs habitants. Depuis de longues années déjà, 12 millions de Français vivent sous un toit inadapté à leurs besoins. Trop petit, trop cher, trop délabré, trop éloigné, sans compter les 4 millions de précaires sans domicile personnel, la quête d'un logement correct empoisonne la vie de citoyens pourtant parfaitement intégrés. En janvier 2012, un candidat président dénonçait ce mal qui ronge la société. Il avait promis de l'éradiquer. L'égalité, c'est aussi le meilleur accès pour tous au logement. Nous manquons de logements en France. Ils atteignent des prix insupportables. Il faut donc plus de logements et des logements moins chers. Mais pour éviter les abus, j'encadrerai les loyers là où les prix sont manifestement excessifs. Cette promesse, cette nouvelle politique du logement va devenir l'une des priorités du futur gouvernement. Elle s'est heurtée peu à peu à l'avidité des promoteurs immobiliers ou des propriétaires, au laxisme des municipalités, à l'absence de contrôle de l'État. Dans plusieurs villes de France, nous avons enquêté pour mettre à jour le non-respect du plafonnement des loyers, la spéculation autour des logements défiscalisés, les HLM construits pour rien ou occupés par ceux qui n'en ont pas besoin. Dans les grandes villes de France, le gouvernement voulait d'abord en finir avec la flambée des loyers, près de 60% d'augmentation en 16 ans. En février 2014, la loi Allure a été votée pour cela. Paris, la ville la plus chère de France, a été choisie comme terrain d'expérimentation. Quartier par quartier, l'État a calculé le prix moyen des loyers, puis les a gelés. Depuis août 2015, les propriétaires sont donc censés respecter des plafonds, sauf à se moquer de cette loi. Après 5 ans d'études, Anaïs et Guillaume viennent de décrocher 2 contrats de travail. Ce couple gagne désormais 3000 euros net par mois et cherche à quitter ce studio de 20 mètres carrés où il vit à l'étroit. Alors, on voudrait un appartement entre 30 et 40 mètres carrés. On veut surtout une chambre séparée, en fait. Maintenant qu'on est deux, qu'il y a 2 salaires et tout, on voudrait quand même, après avoir vécu dans un studio comme 2 étudiants, on voudrait quand même s'installer un peu plus, avoir un vrai chez nous dans lequel on peut faire tout ce qu'on veut sans se marcher dessus, quoi. Non, mais c'est pas trop dur à Paris de trouver 2 pièces. C'est l'enfer. C'est horrible. C'est absolument abominable. Depuis 3 mois, le couple enchaîne les visites de 2 pièces. À Paris, ce sont les petites surfaces les plus recherchées, les plus chères au mètre carré. Celles aussi où les propriétaires respectent le moins l'encadrement des loyers. C'est le tableau de tous les appartements qu'on a visités. Et en rouge, en fait, c'est tous ceux qui respectent pas la loi, tout simplement. On a mis oui-non, hein. Et du coup, on peut voir que sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 qu'on a dans le tableau, eh ben, y en a que 4 qui respectent la loi. 4 qui respectent la loi Allure. Par exemple, on peut voir celui-ci qui est dans Paris 14, pour 34 mètres carrés, on est à 925 euros. Et une fois qu'on fait le calcul avec la loi, on est normalement à 853 euros. Donc on est à presque 75 euros au-dessus, donc voilà. Donc 75 euros comme ça pour un mois, on peut se dire que c'est pas beaucoup, mais... 75 euros, ça nous fait manger pendant une semaine. Pour nous, c'est vraiment important d'avoir un propriétaire qui respecte la loi Allure, parce qu'on se dit qu'il y a une loi et que ça doit appliquer. Voilà, il y a une loi, elle est là, elle devrait être respectée. Et c'est bizarrement, c'est pas facile à trouver.
Aujourd'hui, Guillaume et Anaïs vont visiter un nouvel appartement dans le quartier de Montorgueil, l'un des arrondissements parisiens les plus prisés. Ils savent déjà que le loyer proposé dépasse largement le plafond fixé par la préfecture de la région. En fait, il faut aller sur le site de la préfecture de Paris. C'est un site qui s'appelle Référence Loyer. Alors, il y a certains critères à remplir. Par exemple, le nombre de pièces. Ici, on en a deux. L'époque de construction. Le type de location, c'est-à-dire meublé ou non meublé. Ici, c'est un meublé. Et surtout, l'adresse. Donc, une fois qu'on a rempli tous ces critères, on valide. Et on reçoit, en fait, un loyer de référence. Donc, je devrais payer au maximum 1 232 euros. Or ici, on nous propose un 1 400 euros sans charge, donc il y a une énorme différence de loyer. Le loueur va-t-il accepter de renoncer à ce dépassement de 168 euros par mois, soit plus de 2000 euros par an? Le couple a accepté de nous laisser filmer en caméra cachée leur énième tentative de négociation avec un propriétaire hors la loi. Une façade délabrée. Des parties communes détériorées. L'immeuble n'est pas reluisant. Une table, un micro-ondes, un vieux canapé lit. Le meublé non plus n'est pas très accueillant. Ah oui, c'est meublé, hein. Ça reste comme ça. Le propriétaire va d'abord tenter de faire croire que le montant du loyer respecte le plafond. On se demandait, au niveau du loyer, ça respecte la loi Allure, vous savez, il y a la loi qui est passée. Oui, ça respecte la loi Allure, puisqu'effectivement, j'ai refait des aménagements à l'intérieur. Oui, parce qu'on regardait les plafonds, il me semblait que quand on avait regardé, c'était pas genre 1200 ou un truc comme ça dans le quartier. Ah, est-ce que vous avez regardé? Oui. Ah, c'est possible, oui. Mais moi, c'est 1450. C'est quand même 168 euros plus cher que le... C'est possible, j'ai pas fait de calcul. Hein. Moi, ouais. On a indiqué comme prix, c'est pas vraiment en location par une référence. Sa mauvaise foi démasquée, notre interlocuteur va changer de ton et dévoiler le fond de sa pensée. Il est à ce prix-là, où il vous intéresse ou il ne vous intéresse pas, c'est tout. Hein. C'est juste que... Vous n'êtes pas encore locataire, vous êtes juste visiteur et vous commencez à discuter. Donc, vous le baisserez pas de toute manière. Je pense pas. Voilà. Vous ne le mettrez pas au niveau de la loi Allure. Je crois pas. Et pourquoi pour... Parce que c'est ma conviction. Attendez, vous n'allez pas me demander des explications quand même. Ok, c'est bon. Allez, je vous retiens pas. Bon, au revoir. Merci. Au revoir quand même. Au revoir. Une fois de plus, Guillaume et Anaïs ont été éconduits par un propriétaire qui ne craint pas la loi. Dans sa quête de légalité, le couple n'a jamais rencontré un seul bailleur qui accepte d'abaisser son loyer. On est déçus, mais on a l'habitude et on sait que ça va être comme ça assez souvent encore. Les propriétaires, ils savent qu'ils ne respectent pas cette loi à Allure, mais ça ne leur pose pas de problème. Ils savent qu'ils vont avoir plein d'autres visites après nous, donc ils ne vont pas s'attarder sur notre dossier. Je pense qu'on va sûrement devoir prendre un appartement qui dépasse le plafond de la loi Allure, malheureusement. Parce qu'il y a tellement peu de gens qui la respectent au final. Les déboires de Guillaume et Anaïs reflètent-ils la réalité? Les propriétaires parisiens hors la loi sont-ils vraiment très nombreux? Depuis son entrée en vigueur, une association de consommateurs a enquêté sur le non-respect de la loi Allure. En 2015, puis en 2016, ce conseiller juridique de la CLCV a décortiqué plus de 800 annonces locatives. Ses conclusions sont accablantes. Près de 50% des propriétaires qui gèrent eux-mêmes leurs biens ne respectent pas l'encadrement des loyers. En 2015, lorsqu'on avait réalisé pour la première fois notre enquête, on l'expliquait sur la nouveauté du dispositif, en fin de compte sur la bonne foi des propriétaires. Là, en 2016, donc avec toute la médiatisation en plus qu'il y a eu autour de la loi Allure, on ne peut plus arguer vraiment de la méconnaissance du dispositif. Donc on est clairement sur une violation, du moins
pour un grand nombre des bailleurs concernés, sur une violation pure et simple et délibérée de la loi. Ils estiment que le loyer est trop faible par rapport à ce qu'ils pouvaient escompter. Alors, le pire, c'est que lorsqu'on calcule l'encadrement des loyers, lorsque le préfet prend son arrêté, il le fait en fonction quand même de la réalité économique. Donc des loyers tels qu'ils sont pratiqués localement dans le quartier précisément où le logement est loué. Les propriétaires qui louent en direct ne sont pas seuls à être trop gourmands. Les professionnels de l'immobilier aussi abusent de leurs clients. Le taux de non-conformité est de 25% lorsque c'est une agence immobilière. On a des dépassements de 17%. Alors ça représente sur l'ensemble de l'échantillon que nous avons eu, donc 800 annonces, ça représente une moyenne de 115 euros par mois. Donc ça fait plus de 1300 euros à l'année, donc ce qui est une somme qui est franchement très importante pour le locataire. Dans l'enquête de la CLCV, le réseau Century 21 est en tête du palmarès des professionnels qui prennent des libertés avec la loi. 29% des annonces du leader français ne seraient pas conformes. Les dépassements les plus fréquents concernent les petites surfaces dans les quartiers les plus cotés de Paris. Au moment de notre enquête, sur 8 annonces de petites surfaces proposées par cette agence d'un arrondissement très prisé, la moitié dépassait les plafonds. Comment les professionnels de ce réseau justifient-ils ces surloyers auprès de leurs clients? Nous nous sommes fait passer en caméra cachée pour un candidat intéressé par ces logements en infraction. L'agent immobilier qui nous reçoit va nous assurer de sa bonne foi. Tous ceux-là, ils sont dans le respect de la loi ou... Ah ouais. Ok, d'accord. Non, mais après, alors qu'ils trichent, hein. Après, ils trichent chez vous. C'est leur problème, mais non, on s'aligne, on respecte la loi. Nous, réseau, on est surveillés. On a le siège, on a tout le monde, on ne peut pas se permettre. Et il y a des petites agences aussi. Mais non, là-dessus, nous, on a un réseau, on ne peut pas se permettre de tricher non plus. Et après, c'est notre situation. D'accord. Notre interlocutrice va finir par admettre que certains loyers proposés par son agence dépassent les plafonds, mais pour de bonnes raisons. Celui-là, je crois qu'on a mis un complément de 50 euros parce qu'il y a un balcon. Ok, d'accord. On l'a justifié, il y a un balcon, il y a un ascenseur. Quand on met des compléments, on justifie parce que voilà, il y a des prestations de qualité. La loi, il y a le loyer plafonné, vous pouvez mettre un complément. Donc le complément, on évite de faire ce qu'on veut pour le moment. Ouais, super. Ok. Ça roule. Un ascenseur ou un balcon permettrait-il de pratiquer des surloyers? Ce n'est pas ce que dit le ministère du Logement. Dans son décret, l'État ne tolère les compléments que pour les prestations exceptionnelles. Un ascenseur déjà payé par les charges ou un simple balcon n'en font pas partie. Ce sont des prétextes pour tromper les locataires que le président de Century 21 va lui aussi utiliser pour justifier les dépassements de loyers commercialisés par son réseau. Vous pouvez majorer le loyer comme bon vous semble et décider que votre appartement, son loyer, bah, il peut être loué beaucoup plus que les autres. Ces compléments de loyer, comment les agences Century 21 les justifient et qu'est-ce qui rentre dans les compléments de loyer? C'est tout le problème de cette loi. C'est que le législateur n'a pas pris le temps de définir clairement ce qu'était une dimension exceptionnelle. Il précise quand même trois choses. Il ne peut pas être pris en compte tout ce que le locataire paye déjà en charge commune. Mmh. Donc un ascenseur, normal. L'entretien des parties communes, etc. Sans le savoir, le patron du premier réseau français des agences immobilières vient de contredire les arguments de ses agents pour justifier les dépassements. Nous lui montrons notre enregistrement en caméra cachée. La loi, il y a le loyer plafonné, vous pouvez mettre un complément. Donc le complément, on évite de faire ce qu'il veut pour le moment. On met des compléments quand il y a l'ascenseur, quand il y a un balcon. Ça, c'est une erreur. Un complément de 50 euros parce qu'il y a un balcon. Okay, sauf s'il n'y en a pas dans le secteur. Est-ce que vous ne pensez pas que ces compléments de loyer peuvent être aussi un prétexte pour les terres aussi, hein? Bien sûr. Pour faire augmenter les... Mais c'est évident. Augmenter les loyers. Mais c'est évident. Vous êtes sous la pression d'un propriétaire qui vous dit « Mais moi, j'assume de vous demander ce loyer, même si je ne respecte pas la loi, parce que je considère que c'est le prix du marché. » L'agence, elle a le droit absolu de publier ou pas, puisqu'elle est juridiquement
et financièrement indépendante. Ce n'est pas ma succursale, ce n'est pas mon entreprise. Moi, je peux lui dire, attention, il y a un danger. Après, je ne peux faire que des rappels à la loi, engager les agences à être soucieuses du dispositif, et puis, en cas de contrôle, bah, assumer les conséquences si elle n'a pas respecté le dispositif, ou à justifier du complément de loyer. Le président de Saint-Uris 21 l'admet sans résister. Les locataires parisiens sont régulièrement dupés par les professionnels de l'immobilier. La loi Allure avait été impulsée par Cécile Duflot. Aujourd'hui, l'ex-ministre du Logement reconnaît que sa volonté de contrôler les loyers a en partie échoué. Il y a des propriétaires qui décident de faire signer des baux sans respecter l'encadrement. Ensuite, il y a la notion de complément de loyer, qui n'était pas absurde dans l'idée où il y a des appartements qui ont une terrasse de 100 mètres carrés, évidemment qu'ils n'ont pas les mêmes propriétés qu'un appartement identique sans terrasse, mais qui est utilisé de manière exagérée. Quand on fait des compléments de loyer parce qu'il y a une baignoire, enfin, on se moque du monde, quoi. Mais là, ce qui manque, c'est qu'il manque la surveillance. En fait, l'encadrement des loyers, c'est comme la limitation de vitesse. Mais s'il n'y a pas les radars et les amendes, bah, vous pouvez mettre des panneaux cerclés de rouge, il ne pourra rien se passer. L'encadrement des loyers, c'est pareil. Les agences qui ne font pas bien leur travail et les propriétaires qui abusent, je pense qu'il faut passer à un régime de sanctions plus sévère. Cécile Duflot et son gouvernement ont-ils fait preuve d'angélisme? Quelle est cette loi qui fixe des limites aux loyers, mais parie uniquement sur la bonne volonté des propriétaires pour les respecter? Dans ces conditions, comment les locataires parisiens peuvent-ils faire valoir leurs droits? Ils n'ont pas d'autre choix que de se défendre, tout seuls. Depuis un an et demi, Laura et Julien logent dans ce deux pièces de 29 mètres carrés à 1100 euros par mois. Voilà, c'est notre pièce. Petit salon avec un coin cuisine. Ici, et là, la table où on mange qu'on a mis à côté de la fenêtre pour la luminosité. C'est plus sympa le matin pour le petit-déj. Et puis, notre armoire où on essaye de faire rentrer tout notre bric-à-brac. C'est pas forcément évident, il n'y a pas beaucoup de rangement. 6 mois après son installation, ce couple a découvert que son loyer dépassait largement la limite fixée par la loi Allure. On s'est juste dit qu'on allait regarder sur les simulations par curiosité, ouais, voir si on était bien dans les normes, quoi. Et puis après, on s'est rendu compte qu'on était 200 euros au-dessus et ça nous a quand même... on s'est senti un peu... abusé, quoi. On a contacté notre propriétaire en lui envoyant une lettre avec accusé de réception, en lui disant qu'on s'était aperçu qu'il y avait un souci au niveau de notre bail et que donc... on voulait savoir si c'était possible de régulariser la situation, quoi. Il a quand même proposé, selon ses dires, éviter toute procédure longue, de consentir à une baisse de 100 euros par mois sur les mois à venir du loyer. Face à ce mauvais arrangement, Laura et Julien ont décidé de s'adresser à une commission de la préfecture qui a fixé les plafonds des loyers. On a continué la procédure et on est passé à l'étape suivante qui était la commission de conciliation. Et donc ça consiste à envoyer un petit dossier au service de la commission de conciliation qui va ensuite convoquer les deux parties pour essayer de faire que tout se passe bien et qu'on règle les litiges au mieux possible. Un mois après leur demande, Laura et Julien ont décroché une audience à la préfecture de la région parisienne. Une amie étudiante en droit les accompagne pour ce rendez-vous. Mais leur propriétaire n'a pas répondu à cette convocation. Bonjour. Alors, comme le propriétaire n'est pas là, on va avoir du mal à concilier. Oui. Ce qui veut dire que on devra dire que la référence majorée étant dépassée, pas de justification de complément de loyer, puisqu'il n'y en a pas dans le bail, ce qui donc va nous amener à dire qu'il y a une restitution de loyer dû
depuis le début de l'entrée dans les lieux. Donc on va l'écrire et donc le propriétaire aura cet avis et il vous appartiendra ensuite de reprendre contact avec lui, bien évidemment, pour obtenir la restitution amiable. On espère que vous arriverez à progresser, voilà. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Laura et Julien repartent avec un avis. Un simple constat d'infraction. Bonne fin de journée. Au revoir. Car la préfecture ne peut obliger le propriétaire à respecter la loi. Nous ne sommes pas dans une juridiction ici. On n'est pas juge. On fait de la médiation, de la conciliation avec des parties qui sont censées se mettre d'accord lorsque les deux sont présents. Là, en plus, une des parties est absente. Donc ça complique tout. Et il faut donc simplement pour nous donner un avis qui pourrait être de nature, en fait, à débloquer une situation. L'État a donc créé une commission d'opérette qui pourrait peut-être, ou parfois, inciter au civisme des propriétaires qui ne le souhaitent pas. Voilà pourquoi les locataires floués ne se bousculent pas devant cette commission. Finalement, on n'a pas beaucoup d'affaires sur ces sujets. On a une soixantaine de dossiers aujourd'hui depuis août 2015. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant. Moi, dans notre association, quand des gens viennent, par exemple, bon, on leur conseille ensuite d'aller en commission de conciliation, ils ne sont pas forcément au courant. Et en théorie, ceux qui viennent sont ceux qui sont conseillés par les associations en général. Hein, donc... Ceux qui viennent en général sont conseillés par les associations de locataires. Laura et Julien sont désormais condamnés à poursuivre leur propriétaire en justice. Ainsi va la loi Allure. À peine promulguée et déjà détournée, elle a abandonné en route ce qu'elle voulait protéger. Si le préfet lui donne des instructions de grande sévérité et de grand contrôle, il les applique. D'accord, donc c'est un manque de volonté politique. Oui, c'est évident. C'est évident. Si j'étais un peu vulgaire, je dirais on fait pas chier le monde de l'immobilier, voilà. Donc, et ça, je pense que c'est une erreur. Donc, je crois qu'il faut remettre des règles, remettre de la normalité, remettre un prix raisonnable, considérer que le logement, c'est un bien de première nécessité. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que si on compare dans d'autres pays, y compris dans des pays très libéraux, comme les États-Unis, à New York, je crois que c'est presque la moitié du parc qui fait l'objet d'une forme d'encadrement. Donc, on était une exception hein, sur ce sujet-là. Beaucoup de pays régulent, l'Allemagne, mais d'autres pays avec différents systèmes, le prix du logement, tout simplement. Après cette expérience parisienne, l'encadrement des loyers a été étendu en 2017 à la métropole lilloise. En 2018, il s'imposera à plus de 400 communes de la région parisienne. Mais les locataires de ces villes en tireront-ils vraiment un bénéfice? Pour combattre la flambée des loyers, le gouvernement avait aussi décidé de traiter le mal à sa racine. La pénurie de logements qui favorise la spéculation. En 2014, la loi Pinel a été lancée pour encourager la construction dans les villes où les logements sont rares et donc trop chers. Des agglomérations que l'État a classifiées zone A, comme Lille. Pour convaincre les propriétaires d'investir, l'État a dépoussiéré une vieille recette, leur accorder des réductions d'impôts en contrepartie de loyers modérés. Un échange de bons procédés, pas vraiment respecté. En 2016, ce couple de quinquagénaires a décidé d'acheter ce logement défiscalisé qui vient d'être achevé. Ils découvrent aujourd'hui ce deux pièces de 45 mètres carrés. Déjà propriétaires d'une maison, Florence et Lorenzo ont trouvé le moyen d'agrandir leur patrimoine avec un emprunt qui ne leur coûte presque rien. Très bien. On rembourse 1200 euros par mois. Donc on a 600 euros de loyer qui va venir déduire cette facture. On a le crédit d'impôt, enfin la déduction fiscale d'environ 400 euros qui va encore alléger les choses. Et pour arriver à 1200 euros, il faut qu'on fasse un effort de 200 euros pour arriver voilà, au montant de la mensualité qu'on va devoir régler à la banque.
Cet investissement dans une banlieue chic de Lille est donc une affaire rentable. Car le plafond des loyers autorisés dans les villes classées en zone 1 n'est pas vraiment modéré. Alors, ce qui est intéressant avec le zonage A dans la loi Pinel, c'est qu'on peut avoir des loyers au niveau du prix du marché. Et donc, la capacité ou la possibilité de louer à un plafond assez élevé, pour nous, c'est aussi intéressant parce que ça nous permet de cibler une population qui soit en capacité de régler les mensualités. Ces propriétaires ont déjà trouvé un couple sans enfant pour leur appartement. Selon la loi Pinel, leurs locataires ne peuvent pas gagner plus de 55 000 euros par an, 4 600 euros net par mois, presque 7 fois le montant de ce loyer. Pas vraiment le profil de ceux qui peinent à se loger et sont censés bénéficier de logements défiscalisés. La capitale du Nord n'est pas une exception. Avec la loi Pinel, 173 nouvelles communes ont été classées, comme Lille, en zone A. Pour les deux tiers d'entre elles, le plafond des loyers atteint le prix du marché. Pour la moitié, il est encore plus élevé. Les classes modestes ont été oubliées par la loi qui leur était destinée. Cette dérive, même cet expert qui conseille de grands groupes du BTP ne peut que la constater. Les classes modestes n'auront pas de logement spécifiquement destiné sur ces communes-là. Donc finalement, on s'éloigne une fois de plus de l'objectif du dispositif Pinel, qui consiste à produire des logements intermédiaires, c'est-à-dire entre le parc privé, le logement libre, et le parc social. Donc des loyers qui sont censés être environ 20% moins chers que les loyers de marché. Donc quand on a des plafonds Pinel qui sont supérieurs aux loyers de marché, évidemment, on s'éloigne une fois de plus de l'objectif du dispositif. Pourquoi l'État a-t-il renoncé à imposer des tarifs modérés dans toutes ces villes où les loyers sont trop élevés ? C'est le résultat d'une campagne de lobbying menée par les professionnels du bâtiment partout en France. Pascal Boulanger est le PDG d'un grand groupe immobilier. Il est aussi le vice-président de la plus grosse fédération de promoteurs français. En 2013, pendant la préparation de la loi Pinel, son organisation s'est activée en coulisses pour convaincre les maires et les préfets de surclasser de nombreuses villes en zone 1. La Fédération des promoteurs immobiliers a été consultée aussi bien au niveau national que régionalement. Et on nous a demandé de réfléchir avec les préfets sur les villes qui méritaient, au sein même d'une région, de changer de catégorie ou pas. Et donc la chose amusante, c'est que je me rappelle très très bien, c'était un vendredi soir, nous étions trois ou quatre autour de la table, et nous avons pris les communes une par une, en disant, dans celle-ci, il y a moyen de la faire changer, parce qu'on pense qu'il y a un marché qui est plus important. Donc on s'est amusé, en parfait concert, à leur mettre une attribution. Et la liste qui est sortie en définitive était quasiment, et pour ne pas dire même intégralement, je pense, la liste qui avait été établie ensemble ce fameux vendredi soir. Après cette réunion conviviale, les services de l'État ont accepté d'aider les promoteurs à vendre plus facilement leurs programmes grâce à des plafonds de loyers plus élevés. On leur a dit qu'il y avait des villes qu'il fallait un petit peu surévaluer, puisque à chaque fois qu'il y a un zonage, il y a une valeur de loyer qui est affectée. Et si on ne mettait pas quelques villes en zone A, le loyer allait être trop faible et les investisseurs n'allaient pas venir. C'est pour ça que l'État a eu l'intelligence de surcoter certaines villes, d'aller les mettre de zone B à zone A pour pouvoir avoir une légère augmentation des loyers pour que les investisseurs y retrouvent quand même un intérêt. C'est ainsi que ces petits arrangements entre amis ont accouché de la liste des 173 villes propulsé en zone A et dont les deux tiers peuvent construire des logements défiscalisés à loyer non modéré. Mais avant de faire tourner les bétonneuses, les promoteurs ont dû attendre le départ de Cécile Duflot, qui n'approuvait pas ce chèque en blanc offert aux propriétaires investisseurs. Il peut y avoir des propriétaires privés
qui, de fait, louent des logements avec un loyer modéré, et donc ce n'est pas interdit de les aider. Ça me va. Mais si vous les aidez pour louer au même prix que si ils louaient normalement, alors là, il n'y a plus de cohérence. Donc non, moi, je suis en désaccord avec la manière dont le dispositif Pinel a été mis en place. Il y a quelque chose de pas juste. C'est-à-dire que en fait, tout le monde paye des impôts pour que ceux qui sont plus riches puissent se constituer un patrimoine. Ça ne peut pas tourner. Ça veut dire que vous prenez les impôts de ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter pour les donner à ceux qui ont les moyens d'acheter. Et donc vous accroissez les inégalités. L'ex-ministre du Logement n'a pas perdu que cette bataille. Le gouvernement avait aussi décidé de mettre un terme aux appétits des promoteurs qui commercialisent des logements inutiles, aidés par l'État. Pour en finir avec ces abus, plus de 3000 communes ont été placées sur liste rouge. Des villes sans besoin locatif, classées en zone B2, comme Béziers. Béziers, 75 000 habitants, près d'un foyer sur deux sous le seuil de pauvreté, et 17% de logements vides. Deuxième sur le podium des villes françaises en panne de locataires, la cité médiévale ne devait donc plus construire de logements défiscalisés. Vincent Thiol fait partie de l'Observatoire des loyers du département de l'Hérault. Il dirige aussi 3 agences immobilières. Cet agent est donc bien placé pour savoir que les candidats à la location ne courent pas les rues dans la ville. Ça, c'est tout l'Ouest héraultais, donc avec Béziers. Donc on a par exemple 14 916 logements, dont 17% de vacants. L'explication est simple. On a un nombre de permis accordés pour des logements neufs qui a été important en 2011. Ces logements sont arrivés en location en 2012. Et on se retrouve donc en 2013 avec un déséquilibre du marché locatif. Si on analyse la taille de la ville, le nombre d'habitants, on est effectivement sur des statistiques. On dit qu'il y a trop de logements sur Béziers. Par-dessus, on vient proposer des lois de défiscalisation à partir d'Eurobien, puis Cellier, et jusqu'aux dernières. On a ouvert les vannes avec des permis de construire partout, sans regarder l'identité du promoteur, qu'est-ce qu'il allait faire, à qui ça allait être destiné, à qui ça allait être vendu. Si on prend des chiffres de l'Observatoire des loyers, on est passé par exemple de 2008 à 268 logements vendus à des investisseurs sur la ville de Béziers à 676 en 2011. Donc on est sur des périodes où on construisait beaucoup trop. À partir de 2012, la ville s'est retrouvée avec 20% de logements défiscalisés vides sur les bras. Des appartements neufs vendus par des promoteurs à des propriétaires abusés et persuadés de louer leurs biens. L'un d'entre eux a investi en 2007 dans cet immeuble du centre-ville. Une résidence presque vide et déjà décrépie, dans laquelle Vincent Thiol ne parvient pas à trouver preneur pour le 2 pièces de son client. Donc voilà, on arrive dans les parties communes qui ne font pas très envie. Elles ont 10 ans, elles sont déjà très abîmées. On a, comme par hasard, un appartement vide ici. On voit ici aussi, les autres, on ne sait pas trop. On comprend un petit peu que ça ne fasse pas très envie. Depuis 10 ans, les propriétaires de ce 40 mètres carrés ne cessent d'abaisser le montant de leur loyer. Même à 350 euros par mois, ils n'arrivent plus à le louer. Ils ont déjà perdu 15 000 euros de loyer, mais le plus gros préjudice reste à venir, ça va être sur la valeur patrimoniale. Qu'est-ce que ça va valoir dans 10 ans? Moi, je ne pense pas grand-chose. Ils étaient au courant de ce qui est acheté pour les propriétaires? Ils sont loin, donc ils sont des investisseurs de l'autre bout de la France, ils ne se rendent pas compte de l'emplacement, de la mauvaise qualité de l'immeuble. Ils sont venus qu'une fois en 10 ans. Non, je crois qu'ils ne sont pas conscients de la mauvaise affaire qu'ils ont faite. À Béziers, on ne compte plus les propriétaires abusés et aujourd'hui ruinés.
Pourtant, dès 2009, le Crédit Foncier, la banque qui finance le BTP, avait adressé une mise en garde. Béziers était saturé. Il fallait arrêter d'y bâtir des logements. Ce rapport public, cette alerte lancée sur une soixantaine de villes, a été ignorée par les promoteurs. Depuis 2015, leur chantier tourne même à plein régime, grâce à la loi Pinel. Aimé Couquet est un opposant historique de la machine folle à produire des logements inutiles. Cet élu observe avec consternation toutes ces nouvelles résidences défiscalisées Pinel qui sortent aujourd'hui de terre. Ces 9 programmes que l'on voit là représentent en gros 1000 appartements, alors que l'on sait que sur les plus de 1000 qui ont été construits à Béziers, une bonne partie n'est pas encore louée. Ça va faire qu'ajouter aux difficultés du logement. C'est bien qu'à un moment, il fallait arrêter de continuer les programmes de défiscalisation. Malheureusement, on a l'impression qu'au contraire, actuellement, on pousse encore plus que jamais dans ce domaine. C'est la fuite en avant, quoi. C'est, dans ce domaine-là, c'est la fuite en avant et c'est vraiment dommage. Cette nouvelle bulle immobilière a élu domicile dans un nouveau quartier. Une cité dortoir en gestation, en périphérie de la ville, nommée la Courandelle. La Courandelle est devenue le quartier de la loi Pinel et qui rentre dans une part importante des constructions qui sont réalisées. Les promoteurs ont profité de cette situation pour mettre à fond leur programme de défiscalisation. Voici donc le nouvel Eldorado des promoteurs locaux, mais aussi nationaux. Des blocs alignés dans un désert urbain, le dernier marché de dupes pour propriétaires qui cherchent déjà à louer. Mais d'autres filons, dans d'autres quartiers, vont bientôt voir le jour. Pour l'instant, on a l'impression que ça va continuer. On vient d'apprendre, par exemple, dans le cadre du projet, de l'appel à projet qu'il y a eu sur l'acropole de Béziers, que dans ce projet, s'il se réalise, il y aura beaucoup d'appartements qui correspondent à la défiscalisation. Donc, on va avoir dans cette ville tout un secteur comme ça, avec d'appartements libres qui ne sont pas occupés. Et que vont-ils devenir? Ça, on ne le sait pas. Déjà, un immense gâchis se profile. Le scénario d'une catastrophe annoncée que la ministre du Logement, Cécile Duflot, avait pourtant décidé d'éviter en classant Béziers sur la liste rouge des nouvelles défiscalisations. C'était sans compter sur le maire de l'époque qui a réussi à lever cet embargo. En 2013, Raymond Couder s'est transformé en VRP du BTP pour sortir Béziers de la zone rouge et distribuer des permis de construire aux promoteurs. Si vous n'êtes pas retenu dans ces classements, ça veut dire que les promoteurs vont se désintéresser totalement de votre commune, de votre ville, et aller construire ailleurs. Et ça veut dire que les entreprises du bâtiment de la commune ou des environs immédiats vont se retrouver sans chantier. À ce moment-là, j'étais sénateur, donc j'ai profité évidemment de ma proximité avec les cabinets ministériels, avec les ministres, mais j'ai profité de cette proximité pour insister auprès d'eux, insister auprès du préfet, puisque le préfet a eu un rôle important dans le classement en B2. Donc il a fallu que j'utilise tous ces moyens-là en me portant comme porte-parole, en quelque sorte, de l'ensemble de ce tissu économique local. Le hiérarque et les notables locaux ont gagné la partie. Ils ont obtenu de l'État une dérogation, comme 850 autres villes classées dans la liste rouge. Avant de démissionner en mars 2014, la ministre Cécile Duflot avait déjà livré 450 communes à l'appétit du marché.
Elle reconnaît aujourd'hui avoir rendu les armes. Tout ministre du logement a fait l'objet d'un siège de la part de tous les élus. Moi, j'ai effectivement permis à certaines communes d'avoir cet agrément préfectoral. Déjà, vous avez des pressions ? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est le préfet, c'est tout le monde, c'est les promoteurs au niveau national. Et moi, j'avais déjà tellement serré les vis sur tous les sujets que oui, sur cette question-là, j'étais en situation compliquée. Hein. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à sortir de ce système ? C'est juste la pression des... Parce que on n'arrive pas à sortir de ce système parce qu'il y en a qui gagnent beaucoup d'argent avec ce système. Et qui sont puissants, ils ont des relais, ils sont capables de publier des pages de publicité, ils sont capables de salir l'image d'une ministre qui ne va pas dans leur sens... Voilà, c'est ça. Quand on parle des lobbies, bah, c'est ça. La réalité, c'est ça. Et pourquoi ? Parce que certains, ils gagnent énormément d'argent. Parfois en ruinant d'autres personnes. C'est pas très correct. Mais s'ils arrivent à tordre la main des politiques, pourquoi pas en profiter ? Après le départ de Cécile Duflot et le retrait de sa loi, le nouveau dispositif Pinel a laissé le champ libre aux promoteurs. Dites. Vous en connaissez beaucoup, vos déplacements qui vous font gagner 80 000 euros sur 10 ans avec seulement 159 euros de versement par mois. Ce placement gagnant existe et il a même un nom, l'investissement immobilier Pinel. La loi Pinel est le dernier avatar de la défiscalisation. Avant elle, les lois Robien et Cellier ont déjà ruiné près de 50 000 ménages français. Chaque année, l'État se prive d'1,5 milliard d'euros d'impôts sans générer de nouveaux logements à loyer modéré dans les villes qui en ont vraiment besoin. Que reste-t-il alors comme issue de secours pour les plus modestes d'entre nous, ceux qui ne peuvent se loger sur le marché privé ? Près de 2 millions de foyers attendent aujourd'hui un logement social. En janvier 2015, un drame a réveillé la conscience du gouvernement. Pour Manuel Valls, les assassins de Charlie Hebdo ont grandi dans des HLM devenus des ghettos. Le Premier ministre avait donc décidé de forcer les villes à plus de mixité. Il ne peut plus y avoir des villes qui concentrent tous les logements sociaux et d'autres qui, par égoïsme, les refusent. Nous mettrons donc tout en œuvre pour que les communes respectent scrupuleusement les obligations de construction de logements sociaux prévues par la loi. Nous l'avons déjà dit, mais je le répète, l'État agira avec une très grande fermeté. Depuis, toutes les communes de plus de 3 500 habitants en province doivent atteindre l'objectif de 20% de logements sociaux dans leur parc locatif. La loi de solidarité et de renouvellement urbain, la SRU, ne tolère pas la moindre exception, même dans les villes sans besoin HLM, comme Vichy par exemple. Vichy, sous-préfecture de l'Allier, est une ville thermale autrefois florissante et peu à peu désertée. Vichy est la championne de France de la vacance locative. 20% de ses logements ne trouvent pas preneur, dont beaucoup de HLM inoccupés. En 2009, quand Delphine Lanier a pris la direction de l'organisme HLM de la ville, elle ne s'attendait pas à traquer les candidats pour occuper les logements sociaux de son parc. C'est quelque chose qui m'a un peu surpris. Je suis sur Vichy depuis 2009. Quand on arrive à Vichy, on peut se loger facilement. Il n'y a pas de liste d'attente. La différence par rapport aux zones tendues, où effectivement, quand vous avez un logement qui se libère, vous avez plusieurs demandeurs qui vont pouvoir se positionner. Aujourd'hui, dans les territoires détendus comme celui de Vichy, c'est l'inverse. Un demandeur qui se présente, on va être en capacité de lui proposer plusieurs logements, de lui faire visiter et de lui faire choisir le logement qu'il préfère. Sur les un peu plus de 1600 logements sociaux publics du parc HLM, il y a 120 logements qui sont vides. Ça représente un peu plus de 7% du parc social. Depuis 40 ans, Vichy a perdu un quart de ses habitants. Même dans son centre-ville historique, la cité de Napoléon III compte de nombreux appartements de caractère sans locataire.
Vichy, comme dans beaucoup d'autres villes moyennes de 20 000 habitants de cette taille, il y a eu une désindustrialisation il y a 20-30 ans qui a causé effectivement un exode de certaines populations vers les grosses villes. Donc effectivement, on se retrouve avec beaucoup de logements qui se sont retrouvés sur le marché disponibles. Dans les grandes villes, les bailleurs sociaux placent les demandeurs d'HLM sur des listes d'attente interminables. À Vichy, ils doivent se transformer en agents immobiliers pour les trouver. Le métier de bailleur social a beaucoup évolué dans des petites villes comme Vichy parce qu'on n'est pas en attente. On n'attend pas effectivement qu'un locataire vienne déposer un dossier de demande de logement. Il faut qu'on soit complètement à l'avance, il faut qu'on soit proactif. Donc on va aller sur des marchés comme des sites Le Bon Coin. Nos logements, même si c'est des logements sociaux, sont à disposition sur Le Bon Coin. On fait de la publicité comme un particulier, comme un propriétaire privé. À 10 minutes du centre, l'Office social municipal a investi 15 millions d'euros pour rénover le quartier des Ailes. Une cité HLM sans histoire, agrémenté de promenades en bord de fleuve et d'un centre sportif national réputé. Je vous emmène voir le premier programme qui a été construit par le bailleur social à Vichy. Donc c'est un programme qui a été construit dans les années 1960 à l'initiative du maire de l'époque qui a construit tout un programme de 600 logements sociaux sur les meilleurs quartiers de la ville. Malgré tous ces efforts, 70 appartements de la Cité des Ailes ne sont toujours pas loués. Pour séduire les candidats, Delphine Lagnier a imaginé et pris le soin de décorer un appartement modèle. Alors voici un logement de type 4, donc aux Ailes, dans lequel vous avez une grande chambre pour les parents, une chambre pour les enfants, une salle de bain qui a été entièrement réaménagée pour installer des douches, et puis pour enlever les ballons d'eau chaude pour faire de la place dans ces salles de bain. Une cuisine avec une grande fenêtre pour avoir de la lumière. Et puis donc on a un grand séjour traversant est-ouest avec un côté salon qui donne directement sur le lac d'Allier avec une double baie vitrée. Et puis une salle à manger ici. On arrive à proposer ces logements à 350 euros, par exemple, pour ce type 4. Il fait un petit peu moins de 70 mètres carrés. Et puis, toutes les charges sont donc comprises, puisqu'on a le chauffage qui est collectif, l'eau chaude qui est collective, l'eau froide est également comprise dans les charges, les ascenseurs quand il y en a un, les frais de gardiennage puisqu'il y a un gardien. Ça fait 150 euros à peu près de charges. Donc, au total, à un petit peu moins de 500 euros, on a un logement de type 4. Aujourd'hui, comme les locataires ont le choix, si le logement, même avec cette belle vue, n'est pas un étage qui les satisfait, n'est pas à côté de la voisine qu'ils souhaitaient avoir, n'est pas avec un ascenseur. Ils ne trouvent pas forcément de preneur. À Vichy, les HLM souffrent même de la concurrence des appartements privés, qui sont parfois moins chers que les logements sociaux. Un marché locatif aberrant, une situation rêvée pour les locataires, mais un cauchemar pour les agents immobiliers. Depuis plus de 20 ans, le patron de cette agence guette les clients. Un appartement sur 5, 4000 locations privées dans la ville, reste vide. Je vous montrer un logement près de la médiathèque, en plein centre-ville de Vichy. On est sur 90 mètres carrés, un immeuble de caractère, cossu, où j'ai un logement qui était intégralement refait à neuf. Sanitaire, électricité, revêtement de sol, muraux, etc. Donc vous avez un appartement proposé à 555 euros qui ne trouve pas preneur. Ça fait un an qu'il est vide. Un autre exemple que j'ai voulu vous montrer, c'est un appartement qui est un petit peu plus périphérique, un immeuble d'une dizaine d'étages. Vous avez un garage, un ascenseur, des sanitaires qui ont été remplacés, une installation électrique tout à fait aux normes. Et malgré cet effort de travaux, la mise en location est compliquée. 385 euros de loyer, 68 mètres carrés, je vous laisse faire le calcul. Nous sommes encore sur des ratios de prix au mètre carré très bas. Et ce logement est vide depuis plus de 2 ans. Des appartements rénovés et bradés, mais déserts. À Vichy, le parc locatif privé comme public
et totalement sinistré. Pourtant, la loi SRU version Manuel Valls exige toujours plus de HLM afin que la ville atteigne la barre des 20% de logements sociaux. Le respect de la loi SRU imposerait de construire environ 800 logements. Donc effectivement, on a du mal à comprendre qu'il faudrait construire des logements alors qu'on en a beaucoup de vides, qu'on a du mal à remplir. Donc effectivement, se faire taper sur les doigts parce qu'on n'en construit pas assez et se faire pénaliser financièrement au niveau de la collectivité parce que le rythme de construction n'est pas assez élevé sur les logements sociaux paraît aberrant quand on n'arrive pas effectivement à remplir ces mêmes logements sociaux sur le territoire. Face à ce dogmatisme absurde de l'État, la mairie est entrée en résistance. Elle refuse de produire ces centaines d'HLM inutiles. Mais cette volonté de ne pas dilapider l'argent public coûte cher à la collectivité. Le 27 février 2015, nous avons reçu cet arrêté du préfet du département, nous signalant que la ville de Vichy allait voir, alors ce n'est pas un versement en tant que tel, mais c'est une diminution des subventions d'État à la commune, pour un montant de 172 611 euros, donc par un arrêté du 27 février 2015, nous disant voilà, fin de la récréation, vous nous devez 172 611 tant que vous n'avez pas les 20% de logements sur la commune. Il y a des territoires où il y a un très fort besoin, où il y a des populations en très forte augmentation. Sur ces territoires-là, il faut augmenter et il faut concentrer les moyens. Il y a d'autres territoires comme les nôtres où il y a suffisamment de logements. Et là, sur ces territoires-là, il faut que l'État diminue son intervention et laisse faire naturellement les territoires sans les pousser à construire des logements qui, in fine, sont vides. Vichy n'est pas la seule ville de France sommée de produire des logements sociaux qui ne servent à personne. Selon la Cour des comptes, 32 départements sont aussi frappés par la vacance locative et trop de logements sociaux inoccupés. Un peu partout sur les territoires en déclin, près de 130 000 HLM ne serviraient à rien. C'est la conclusion à laquelle est parvenue une journaliste spécialisée dans le logement. Isabelle Rey a profité d'un congrès national des offices HLM pour mettre la main sur leurs rapports internes. Il n'était pas caché, mais il n'était pas exposé. Chaque année, le logement social fournit ses chiffres. Et effectivement, il y a à peu près 129 000 logements sociaux vides, dont, disons, 77 000 qui sont vides depuis plus de 3 mois. Donc c'est cela qu'on dit plutôt logement vacant. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est le fait que la Fédération des offices HLM a consacré une journée à ces logements vacants qui commencent à poser problème. Les propriétaires HLM disent on a trop de logements dans certains territoires, évidemment, pas partout. Et même parfois, ils disent il faut en démolir entre 8 et 16 000 par an. Pourquoi l'État persiste à exiger davantage d'HLM dans des communes sans besoin ? Au lieu de concentrer ses efforts dans les grandes métropoles qui en manquent. Depuis 2013, toutes les villes de plus de 1500 habitants en région parisienne doivent atteindre 25% de logements sociaux. Un objectif très insuffisant, car plus d'un demi-million de foyers franciliens attendent désespérément un HLM auquel ils ont droit. Cette déficience de la politique sociale du logement, la principale organisation des offices HLM de France ne la conteste pas. Quand les gens vous disent qu'il y a des logements vacants en France et il y a des gens qui cherchent un logement en Île-de-France, oui, il y a des logements vacants en France. Mais on ne peut pas mettre les logements sur des roulettes. On ne peut pas les ramener du Creusot à Paris. Pendant très longtemps, on a considéré qu'en Île-de-France, le logement social était un logement assez transitoire, qu'on avait des familles dont la situation économique allait s'améliorer. Mais il y a une réalité sociale, c'est qu'il y a une paupérisation de la demande. Nous avons des demandeurs de plus en plus pauvres. Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir, maintenant dans la production neuve, surtout renforcer la production de logements à très bas loyer, parce que c'est ça, c'est là que nous avons la plus forte demande. Bâtir des HLM à bas loyer pour les demandeurs les plus fragiles, une nécessité urgente.
Depuis près de 30 ans, Paris et ses alentours construisent surtout des logements sociaux pour les classes moyennes supérieures. Depuis 2009, une loi permet même aux foyers aux revenus trop élevés de rester dans ces HLM auxquels ils ne devraient plus avoir droit. La loi Meul est un dispositif laxiste qui tolère les abus et autorise les passe-droits. À Paris, 10% des locataires des logements sociaux sont trop riches pour en bénéficier, mais ne peuvent pas en être délogés. Avec plus de 36 000 logements sociaux, la RIVP est le deuxième office HLM parisien. Dans son parc, de nombreux locataires ont des salaires trop importants. Chaque année, Virginie Blain est chargée de les identifier. On a pu constater qu'on avait 22% de locataires qui ont des revenus qui dépassent le plafond de ressources de leur logement. C'est des gens qui, au moment de leur entrée dans les lieux, respectaient les plafonds de ressources affectés à leur logement. Donc leur place, elle était tout à fait justifiée lors de leur entrée dans les lieux. C'est juste que leur parcours personnel, leur parcours de vie a fait que leurs ressources ont augmenté. Et en tout cas, ils avaient leur place dans le logement social lorsque le logement leur a été attribué. Plus de 97% des logements de la RIVP sont des HLM haut de gamme, nommés PLUS ou PLS. Pour y avoir droit, un couple sans enfant, par exemple, peut gagner jusqu'à 3 800 € net par mois pour les PLUS et 4 900 € net par mois pour les PLS. Ce sont les plafonds de revenus au-delà desquels, théoriquement, les locataires devraient céder leur place. Mais beaucoup d'entre eux les dépassent et peuvent tout de même rester. Ce tableau recense tous les locataires de la RIVP avec l'indication du taux de dépassement de leurs revenus par rapport au plafond. Donc on voit que dans la grande majorité, c'est des taux qui sont entre 20 et 50% de dépassement. Grâce à la loi Meul, les revenus de ces locataires peuvent atteindre jusqu'à 100% de dépassement, soit le double des ressources maximales autorisées pour loger dans un HLM. La loi Meul, globalement, c'est le seul moyen que l'on a de faire partir de manière un peu autoritaire les locataires. En tant que bailleur social, on n'est pas en capacité de leur demander de partir. Donc c'est simplement le locataire qui décide quand il souhaite partir. Et nous, on ne peut pas lui imposer de partir, sauf les cas de dépassement de plafond de ressources, comme le prévoit la loi Meul. À cause de cette loi permissive, un couple sans enfant peut ainsi gagner jusqu'à 9 800 € net par mois et continuer d'occuper, par exemple, cette charmante résidence du 13e arrondissement parisien. Alors là, on est sur un immeuble tout standard de type PLUS et PLS. Le PLS, on a tendance à considérer que c'est comme les plafonds de ressources pour entrer dans ces logements-là sont plus élevés, que ce sont des logements pour les plus riches, entre guillemets, mais c'est assez connoté, quoi. Alors là, on est sur un immeuble de 112 logements, un immeuble des années 70 qui a été rénové et intégralement réhabilité il y a quelques années. On a à peu près 8% des locataires qui règlent un supplément de loyer, ce qui dépasse les plafonds et donc les seuils de déclenchement du SLS. Le SLS, le supplément de loyer, la bonne conscience des offices HLM et de l'État qui permettent aux foyers aisés d'occuper ces logements sociaux. Ici, 9 locataires paient des surloyers pour des appartements dont les tarifs restent très en dessous des prix du marché privé. En Île-de-France, près de 120 000 ménages bénéficient ainsi abusivement de HLM, au détriment de 634 000 franciliens qui attendent depuis près de 10 ans avant de décrocher un logement social
auxquels ils ont droit. Une injustice sociale à laquelle la dernière ministre du Logement a tenté de s'attaquer, sans succès. Je pense que dans la question du logement social, il y a cette confrontation entre ce qu'on dit les insiders et les outsiders. C'est-à-dire qu'on a 2 millions de personnes qui frappent à la porte du logement social pour mieux se loger. Et on a des gens qui sont bien logés dans le logement social depuis très longtemps et qui, malgré des revenus très confortables, disent « je vais y rester ». Je vous donne un exemple comme ça. À Paris, pour un PLS, en tant que célibataire, pour entrer dans un PLS, en gros, en mensuellement, vous devez gagner autour de 2500 euros. Et vous avez le droit de rester dans votre logement social, même quand vous gagnez 5000 euros, pour vous seul. Hein. Ce qui pose déjà une question. Et la réalité, c'est qu'on ne peut pas en même temps dire qu'il faut loger tout le monde, et notamment en particulier les gens qui ont le plus de difficultés, et dire de l'autre côté, ah ben non, mais des gens qui sont très au-dessus des revenus, on va les laisser chez nous. Ça s'appelle de la justice sociale, et juste de la cohérence. On doit mieux attribuer de logement au public du premier quartile de revenus, c'est-à-dire les gens les plus pauvres. Sauf que derrière, il faut un maire. C'est quand même le maire qui, hélas, donne encore le permis de construire. Et c'est un niveau de blocage qui est toujours important. Et puis, il faut un bailleur qui accepte de construire des logements très sociaux. Pourquoi ? Parce qu'un logement très social, c'est un logement donc avec un niveau de loyer qui est le plus faible, donc qui a un rendement moins important. Et moi, je ne peux pas vous cacher les choses. On a des bailleurs qui n'ont pas très envie de loger les publics les plus pauvres. Fin 2016, Emmanuel Cosse a fait voter une loi pour limiter à 50% les dépassements de revenus dans le logement social. Mais avec le changement de gouvernement, cette loi a-t-elle une chance d'être appliquée ? Pendant ce temps, en bas de l'échelle sociale, plus de 400 000 ménages de la région parisienne restent à la porte des HLM. Ceux qui en ont le plus besoin viennent par exemple demander de l'aide à la Fondation Abbé Pierre. Ils cherchent une issue de secours, un toit pour éviter l'exclusion, un logement solidaire. Et les personnes qui viennent nous voir ont très peu de CDI, c'est souvent des CDD, des temps partiels subis, ou alors des CDI, mais des CDI au SMIC. Or, le montant moyen du loyer pour 50 mètres carrés dans le parc privé, c'est un peu plus de 1100 euros. Donc évidemment, si vous avez un SMIC, pour vous loger, si vous avez une famille dans le parc privé, c'est aujourd'hui devenu mission impossible. Donc du coup, le parc social devient la seule solution pour ces ménages, pour pouvoir se reloger dignement, pour pouvoir vivre convenablement avec leur famille. Et la tension est telle sur le parc social que c'est extrêmement difficile d'y accéder. On a aujourd'hui, en prenant les seules personnes qui résident à Paris et qui demandent un logement social à Paris, c'est 120 000. En face de ça, on a à peu près 12 000 attributions de logements par an. On voit bien, c'est à peine 10% des demandeurs qui accèdent aujourd'hui au parc social. 90% des demandeurs de HLM à loyer très modéré sont condamnés à survivre sur le marché privé. Ils échouent le plus souvent dans des logements insalubres, des hébergements d'urgence ou des foyers. À 48 ans, Yagouta vit seul avec un fils adolescent à Paris. Depuis bientôt 18 ans, cette mère célibataire désespère, matricule égarée dans la liste d'attente du logement social. Elle est pourtant classée DALO depuis 2011, c'est-à-dire prioritaire pour l'attribution d'un HLM. Je gagne environ 1600 euros par mois. Le loyer de mon appartement est à 1500 euros. Et j'ai quelques aides de la CAF. Du coup, en gros, il me reste entre 500 et 600 euros par mois pour vivre, pour tout. C'est la nourriture, c'est la cantine de mon fils, c'est tous les frais annexes, quoi. C'est la précarité, la survie. C'est de la survie tout le temps. Il n'y a pas de moment de pause, quoi. Il n'y a pas de moment de répit. Donc c'est on est en lutte tout le temps. Quoi. On est en... Il n'y a pas de respiration. Quoi. C'est de la lutte sans arrêt. Quoi. Sans CDI, avec son petit salaire, cette intermittente du spectacle
n'a aucune chance de décrocher un 3 pièces adapté à ses besoins. La seule solution qu'elle ait trouvée, c'est un bail précaire, un meublé hors de prix. Un studio, d'où elle peut être congédiée au moindre retard de loyer. Voilà, alors en fait, c'est une seule pièce. Et là, c'est le seul endroit où il y a un espace fermé, c'est dans la salle de bain. C'est le seul lieu où on peut être tranquille, intime. Et c'est vrai que souvent, mon fils se met dans la salle de bain s'il veut parler au téléphone, écouter de la musique, faire des trucs. Enfin, quand je travaille, enfin, voilà, c'est un peu l'endroit intime de l'appartement, quoi. Yagouta a droit à un logement social avec 2 chambres et un loyer 2 fois moins cher. Dans sa pile de courriers, plusieurs maires d'arrondissement, un député local et même Cécile Duflot, l'ex-ministre du logement, le lui affirme depuis plus de 10 ans. Elle ne compte plus les promesses du préfet, dont la dernière remonte à 2 ans. Le préfet dit « Votre demande fera l'objet d'un examen attentif par mes services et je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite qu'il sera possible de réserver à ce dossier dans un délai moyen de 32 jours. » Et ça date du 27 août 2015 et j'ai jamais rien eu. Bon, j'en rigole maintenant parce que voilà, c'est un peu kafkaïen. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent à avoir des appartements beaucoup plus facilement autour de moi et qui sont plus riches que moi et qui ont des appartements HLM. On se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Puisque moi, j'ai suivi vraiment la voie légale. Alors, on nous dit tout le temps qu'il y a trop de cas urgents, il y a trop de, voilà, de gens nécessiteux dans le besoin, etc., pour avoir des appartements. Mais enfin, moi, ça fait 18 ans, quoi. Donc, on a des droits et on doit avoir ces droits. L'État n'y répond même pas. Donc, ça veut dire qu'il y a une faillite, quelque part, très grave de l'État pour honorer leur engagement, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bientôt, Yagouta va devoir quitter ce meublé qui a englouti ses économies. Comme 4 millions de Français sans domicile fixe, elle va devoir trouver un nouveau refuge. Les déclassés du logement sont toujours plus nombreux. Avec 46 milliards d'euros par an, la France dépense pourtant 2 fois plus que ses voisins européens pour sa politique du logement.